gagnant solo. Qui me parle? Attends. Ces jeux ne sont autres que LBG, Céleste et le juste prix. Let's go! Céleste! Il me permettra de faire une première estimation de vos niveaux à chacun afin que je puisse créer des équipes ensuite. De votre côté, c'est l'occasion de commencer à engranger un maximum de pitlets pour les phases suivantes. Vous pouvez voir votre valeur. Je te jure, ça met une pression là. En gros, quand le superviseur s'adresse à nous, il y a une lumière rouge dans la salle. Mais ça, vous l'avez compris, puisque vous avez un cerveau en fait. Vous avez entendu du coup, PUBG, Céleste et juste prix. En vrai, on s'y attendait, mais j'avoue que Céleste, j'avais un petit doute et je suis OMG choqué. Et Céleste, j'espère ne pas trop lay. Mais normalement, ça devrait aller. J'y crois. Je comprends pas, tu es dans Hunger Games. C'est un peu ça, Hunger Games version LAN. Tout à fait. Oh. Alors, attendez, parce que le son en vrai est un peu scuff, donc je pense que je vais augmenter la porte d'entrée pour commencer à parler. Et dans tous les cas, ça risque d'être horrible. Ça, c'est un fact. Attendez. En vrai, ça va, non? Est-ce que vous entendez beaucoup les gens derrière moi quand je parle? Parce que ça, je crois que il y a moyen de l'atténuer. Allô? Ouais. Ouais, Samuel a des problèmes depuis tout à l'heure, je le regarde. Il est à gauche de moi, je suis trop triste pour lui. Un léger broie, ça va? Est-ce que ça s'améliore quand je fais ça? Vous me dites, vous êtes mes ingé son ce week-end. Je suis un peu nul. Des sortes de micro-coupures. C'est ok? Ouais. Maintenant que vous m'entendez. Quand tu parles pas, on n'entend rien. Donc mets du son tout le temps. Oui, Samuel. Samuel est en train de régler des problèmes techniques qu'il a par rapport à son PC. C'est chiant, il est trop deg, mais ça arrive en LAN et ça va s'arranger, c'est sûr. D'accord? Courage! Courage, les viewers de SamSam. Bienvenue à vous, installez-vous. Les problèmes techniques sont en train de se régler. Tranquillement, voilà, il y a un petit truc qui a fait que ça bug, ça arrive. Ça aurait pu arriver à n'importe qui en réalité! J'adore Gomar qui crie tout le temps. Ça met trop de bonne humeur. Et là, il fait wouh! Moi, si je fais ça, le problème, c'est que ça me casse la voix après. Donc, attends, je vais parler comme ça tout le week-end. Ah Pourquoi il crie? Pourquoi il crie, les gens? Attends, est-ce que ça règle le problème quand je fais ça? Oh, oh, peut-être. I believe I can fly. Oh. I believe I can touch the top 1 sur PUBG. Le monsieur derrière fait peur, c'est le superviseur. C'est un des superviseurs. Il y en a plusieurs. Hey Tatsumi, je compte sur toi. Je vais aller voir mon meilleur thread Twitter après. Merci, Rose, trop cool. Qui est derrière toi? Alors, nous avons ici Shones, DFG. Shishayu. Et juste là, il y a la team Overwatch. Il y a Poco, Benbes, FD. Ils sont genre juste là. Ah bah vous le voyez? Ah non. Ah si. Mais oui, il y a Poco là. Poco. Attendez, il va pas me voir, ça va être le vent de l'année là. J'ose pas. Attendez, je le fixe. Est-ce qu'il me voit? Non. Bon, en tout cas, il est là, voilà, vous le voyez. OMG, la Poco bombe. Attendez, faut que je vérifie s'il lance pas la game sur PUBG parce que MDR, ça souffle. Il y a du vent dans cette salle. Est-ce qu'on met de la musique? Warbly. Ah, je suis trop stressée. Quand tu parles, on n'entend pas le bruit de fond, c'est super perturbant. C'est pas si mal, non? Juju de mec, tu vas avoir la tête comme ça, toi. Tu veux qu'on entende les gens? Il y a Étoile pas loin. Étoile est devant moi, littéralement. Il y a mon pseudo, sur son stream. OMG, la télé. Merci beaucoup pour les subs, merci beaucoup pour le soutien. Pour tous les subs, pour tous les bits que vous allez claquer durant ce live, durant ce week-end. Sachez que j'ai pas mis les alertes parce que je pense que ça fait un assez gros brouhaha comme ça. Du coup, je me suis dit on va désactiver, mais merci beaucoup en tout cas pour le soutien. Yeah.
Oui, j'ai tout mon matos à moi, j'ai tout ramené. Maintenant s'affronter sur plus léger. Dans ce bateau royal, jusqu'à 100 d'autres sont parachutés sur lui, encerclés par une tempête. Ah, ils expliquent PUBG là. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques mètres carrés. C'est qui celui-là? La partie se termine lorsque c'est qui lui? Les compétiteurs peuvent choisir leur point de chute sur la map comme bon leur semble. Ils décident de s'isoler pour être en sécurité ou de forcer le combat dès le départ. C'est à eux de voir. On va crever putain. Le classement final sera établi en jouant le point des compétiteurs sur chaque map. Et attention, pour l'emporter, survivre ne suffira pas forcément. En effet, pour encourager les compétiteurs et encourager et créer un peu plus de spectacle, j'ai décidé que chaque team remporterait un nombre conséquent de points. Suffisant pour gagner quelques places au classement final. Tout ça veut parachute, décollage immédiat. Personne n'applaudit comme ça. Personne ne fait ça. J'ai pas allumé la light parce que je me suis dit que c'était plus en mode ambiance, de pas mettre de lumière. Vous avez vu mes ongles ou pas? Je sais pas si, parce que depuis que je suis arrivée dans cette LAN, il y a une seule personne qui m'a fait une remarque sur mes ongles. Vous aimez mes ongles ou pas vous? Ils se font un peu snob de manière générale. Je... Voilà, profitez de mes ongles parce que visiblement ils font pas mouche quoi. Mais ils sont beaux! Alors, regardez mes ongles s'il vous plaît. Look at my ongles, messieurs, dames. Regardez! Voilà, super. Regardez s'il vous plaît. Regardez tous. Voilà, super. Slay! Putain, ça me fume, vous allez voir Poco pendant tout le week-end là! Vous allez le voir tout le week-end, je vais le harceler. Hey, j'adore ta diva, hey, Pokobomb ou quoi là? Hey, Pokobomb. Donc, nous allons jouer à PUBG. Nous allons jouer à Céleste. Nous allons jouer à Juste Prix. La partie personnalisée commencée. Ça a commencé à charger. Ouais, il y a... Je suis dans une ligne de dingue. D'accord, que des stars. Sunday, Little Big Whale, Gomard, Florence ou Angle Droit, parce que on se connaît pas personnellement, tout de même. Angle Droit, tout à fait. Que des stars. Stars. Samuel Etienne, évidemment, à ma gauche. La game vient de commencer. La question, c'est est-ce que je me mets en catégorie pub, je... Ah, je stresse. Oh, pourquoi j'ai plus de souris là? marrant, ok. Ok. Attendez. S'il y a un problème technique, vous me le dites, d'accord? Vous hurlez sur le chat. Mais malheureusement, je pourrais peut-être pas le régler quand je suis en game. Ok, tout va bien, tout va bene, tout va bene, tout va bene, tout roule, tout roule. Je suis surexcitée. Là, c'est le stress qui parle. Je suis désolée, je me transforme là, je suis quelqu'un d'autre, mais je suis stressée en fait. C'est ça qui se passe. Je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Qu'est-ce qui lui arrive? Oh là là, je suis stressée. Je sais pas quoi faire parce que tout à l'heure, on a joué à PUBG en fait. On a fait des lobbies. Et je me suis un peu fait rouler dessus quoi. Et du coup, je sais pas quoi faire. Parce qu'il y a plein de gens qui atterrissent en fait à la fin du truc. Et c'est le problème quoi. Et c'est la fête des asticots là. Je vais peut-être aller. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui est stratégique là. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui atterrissent à la fin. On dirait pas, mais si. Merci pour les drapeaux. Les drapeaux. Allez-y, let's go. The dream. Ok. Concentration, les amis. Je suis un soldat. Ok. Un soldat, qu'est-ce qu'il ferait? Il irait. Je pense qu'il irait complètement super loin, mais en même temps, tout le monde va faire ça, quoi. Donc c'est un peu the non dream. Moi, je pense que je vais. Allez!
que je meurs, mais en tout cas, ma caméra est bien cadrée. Allez, vous avez vu mon point, il est là-bas. Hein. Ah, c'est peut-être pas une bonne stratégie. Ah, putain, je vais peut-être aller là, genre. Là où je sais que personne n'ira, tu vois. Genre vraiment à l'autre bout de la terre. Vous voyez même pas où est-ce que je ping, celle-là. Juste ici. Vous en pensez quoi? Tais-toi. Ok. Ah oui, on peut pas mettre le chat en... Ah bah oui, c'est normal, vous pouvez plus parler parce que la partie est lancée. Oh, Kiki, la modération, heureusement que vous êtes là. Hein. El Padre, merci beaucoup. Ok. On va faire croire aux gens, en fait, qu'on passe. On va là-bas. Mais en fait, non. Ah oui, bien sûr, vous pouvez plus parler. Bah alors, les losers, vous pouvez plus parler. Bah alors. Bah alors, bande de boulos. Comme ça, on peut plus parler. Bon, attends, je me concentre, je me concentre. Je veux trop me détendre. Ok. Ok. Vous avez le son ou pas? Ah mais non. Je crois que c'est normal là parce qu'il n'y a pas trop de son. Ok, il y a des mecs là-bas, il y a un mec à ma droite, à ma gauche. En vrai, c'est ok. Hein. J'ose imaginer qu'il n'y a pas d'autres gens. Ou alors peut-être qu'ils sont déjà descendus, je les ai pas vus, mais... Moi, je vais aller dans les petites maisons, là. Je pense que je suis solo, en vrai, de vrai. Enfin, je suis stressée comme une puce. Ah bah, je crois que je vais devoir vous enlever. Alors, vous désintégrer, je suis désolée. Ah, mais je peux pas mettre le chat non plus sur mon overlay. The non-dream. Et je crois que j'ai vraiment pas... Je suis pas vraiment en train de descendre de manière stratégique, là. Je suis une merde, un peu. Ok, top 97 déjà. Oh non. Oh non, Samuel est déjà mort. Oh non, Samuel. Oh non. Oh non. Mort instant. Oh non. Ok. C'est ce qui va m'arriver aussi, je pense. Hein. Une seconde, il faut que tu fermes ton chat. Je sais pas si c'est bien de faire ça. Je crois que c'est pas dingo. Très gentil, très gentil. Trop gentil, trop gentil. Samuel qui m'encourage. Trop mims. Le pauvre, il est mort d'un coup. C'était un peu comique.
Est-ce que je pense ce truc là? Je sais pas. Je me pose la question à moi-même. Oh les amis, comme je trouve. Mais en gros, c'est bien parce que je suis dans la zone. Donc en gros, j'attends ici jusqu'à ce que quelqu'un se pointe. Et puis voilà quoi, gameplay rare, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a aucune fenêtre et tout, c'est The Dream. Ah, ok, il y a des fenêtres. Ok. Ok, ok. 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 En vrai, je suis pas si mal, hein. J'ai du heal. J'ai une arme normale, j'ai un sniper, c'est bien. Je suis bien honnêtement, parce que j'ai fait des games tout à l'heure. C'est la saucisse, c'est ta... La fois t'as la saucisse. Faut avoir de la chance sur le spawn, je trouve, aussi. Avoir de la chance, c'est du skill. Complètement différent. Le son sera peut-être un peu fort pour vous, je suis désolée. Ça, j'entends bien le jeu. C'est pas mal mon gameplay en vrai, vous en pensez quoi le chat? 79 en vie, mais non, mais vous vous rendez compte? Une game normale, on est genre 50 là. S'il vous plaît, mourez! Allez, mourez! S'il vous plaît! Ça va être ça pendant très longtemps. Gameplay PUBG, je vous propose d'avoir plusieurs POV parce que. Vous n'allez pas avoir le gameplay actif ici. Moi, je suis un rat. Vous me connaissez pas. Je suis un rat. Oh, salut, ça va là? Excusez-moi. Non, mais en vrai, je suis bien. Imagine, j'ai la deuxième zone, genre Dream. 77. Plus on gratte de place dans le top, plus on a de points. Donc, nous, on veut vraiment gratter le plus possible. Si quelqu'un ne vient jamais me voir, c'est du pain béni. Ok? Et si je suis dans la zone dans 1 minute 30, c'est parfait. C'est vraiment parfait. En vrai, je suis bien là. Je suis très bien. Je suis pas non plus giga bien, je suis bien. Et update, Sam et Etienne, ils sont en train de déménager. Donc bientôt, vous aurez un autre live pour le Sam Sam. Ils sont en train de changer d'ordi, je crois. Donc voilà. Petite update des viewers. La voiture s'est arrêtée. Je l'aurais entendu marcher s'il était à côté en vrai de vrai. Il peut pas ouvrir la porte comme ça sans que je l'entende quand même. Ok, ça tire un peu autour de moi. C'est fine, ça se rapproche, c'est normal. 75 personnes en vie, c'est un truc de ouf. Ah putain, je suis pas dans la zone, fais chier. Je suis à côté et j'ai un bouilleur sur le dos. En vrai, je peux tempo. En vrai, de vrai, je peux tempo, je crois. J'ai un pack brouilleur. Par contre, j'ai pas de heal de ouf. J'ai 5 bandages. Et si j'ai une seringue dans la dernière ligne, mais ça va. Une voiture à côté. Ok.
T'en vas du côté droit. Parfait. Le son marche bien. Ok, c'est giga ok. Ouais. On peut attendre. Putain, 73 en vie, vous rendez compte, personne ne meurt quoi. 73 en vie, là, là. Oh, un truc de fou en vrai. Tellement de voitures qui passent, what the fuck, c'est la départementale à côté ou quoi? Un truc de ouf. Et personne n'est... C'est un vélo? Un putain de vélo. Il y a tous les trucs qui passent à côté de moi, c'est pas possible. Il y a tellement de voitures, non mais on est tellement des rats, putain. Insupportable. Zone de jeu, putain, Zelfir est mort de la zone. Ça oui, je vais. Moi, je vais attendre là, hein, avec mon pack brouillard. Hein. Je vais attendre que vraiment tout le monde se casse, quoi. Moi, j'attends. Ah putain, il y a le carrousel sur le kill. Nickel. Pas de voiture, hein. Je pense que tous les moyens de transport ont été subtilisés. Ah, je crois que je vais mourir dans la zone en vrai, de vrai. Ouais. Ça va être bien. Une voiture à gauche. Il me court peut-être, il me tire peut-être dessus. Peut-être pas, on sait pas. Il y a le mec qui m'attend à la sortie de la zone, j'ai l'impression. Je vais pas te faire long feu, hein, je pense, honnêtement. Je vais essayer d'aller au top là, mais. Je doute. Il faudrait une voiture, mais. Ça m'étonnerait qu'il y en ait une, honnêtement. Je pense que je vais mourir dans la zone, en vrai de vrai.
Ciao, ce n'est qu'un ciao les amis. Ce n'est qu'un ciao. Ouais. Compliqué. Ce n'est qu'un ciao. Ouais. Ciao, 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 ciao. On meurt de la zone. Bon, ok. 45, c'est pas si horrible. En vrai, sur 100 joueurs, ça va. C'est un peu moins de la moitié. Aïe, aïe, aïe. J'aurais dû bouger plus tôt, je pense. Aïe, 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 aïe. La zone qui fait tous les kills, ça m'explose. Let's go. Ok. En vrai, c'était compliqué. J'aurais pas dû rester aussi longtemps. Mais en même temps, si je sortais, je pense que je vous ai dégommé, quoi. En vrai de vrai. Compliqué. Oh, qu'est-ce que c'est stressant, ça. Ça va, la team? Est-ce qu'on a le droit de remettre le chat entre les games ou pas? Ah oui! Je pense que t'aurais pu prendre un kill au moins. Mais j'ai vu personne, honnêtement. J'ai vu personne. Parce qu'en fait, le truc, c'est si je sortais au moment où est-ce que tout le monde prenait sa voiture et se taillait, là, je me suis dit, vas-y, je vais me faire tirer dessus par derrière, par devant, sur le côté, machin. Donc, en fait, il aurait peut-être fallu que je run dès que j'ai vu la zone pour prendre de l'avance sur ceux qui étaient mal placés, quoi. Mais en vrai, c'est pas si mal, 45. C'est pas ouf, mais c'est pas horrible. C'est mid. C'est mid. On commence cette LAN mid. Mais c'est pas grave, c'est très bien. C'est pas si mal, en réalité. Ouais, ça m'a fait 99. J'ai vu... C'était trop triste. Prends du boost en prévision comme ça, ça te vide pendant que tu cours. Ah, je savais pas ça, Kobe, ok. Première game, tranquille, tranquille, tranquille. Je suis physiquement placé entre Samuel et Sunday. Tout à fait, Sunday à ma droite, Samuel à ma gauche. C'est bas, Lanaï. Oui, j'ai lu. Après, j'ai vraiment pas loot, hein, donc c'est normal. Dans la gueule que j'ai. Stressé la gonce, stressé. Je vais dead sur Céleste, putain, je suis trop stressé. Oh, je suis trop stressé. Top combien j'ai fait top 45. Mais la prochaine, c'est la bombe. Eh, c'est bien. Elle fait top 30. C'est bien. 45. Ouais. Je suis morte de la zone. Oh une merde, je courais. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est... Franchement... Oui, c'est bien. Ça va, franchement, c'est cool, hein. Il y a combien... Est-ce que tu sais... Il y a combien de games en tout? Ok, ça m'a... Ah, je crois qu'il y en a plusieurs. Ouais, je crois qu'il y en a plusieurs. Mais combien, c'est la question. Ok, 3 games. Donc encore 2 games. Mais le son d'ambiance, même quand tu parles pas, STP, j'ai juste un mec, t'es trop matrixé, c'est un truc de ouf. Ça fait 4 messages, Loli, je vois ça. Ouais, il y a 3 games en tout. C'est cool en vrai, ça nous laisse le temps de nous racheter. C'est bien, c'est bien. Pour les questions à propos du live de Samuel Etienne, ne vous inquiétez pas, ils sont en train de régler le problème. Il y a un souci sur son ordinateur. Donc, ils sont en train de faire ça tranquillement. Et puis, c'est relou, mais ça arrive. Voilà. Je suis contente. Vous gardez la meilleure? Non, on cumule les points de toutes, il me semble. Oui, parce que sinon, c'est trop facile. On garde la meilleure, c'est-à-dire quoi, ça? J'avais pris des balles, si, tout à fait, à Pog. I believe. Welcome. On va mettre des petites musiques. Un petit peu de musique, là, c'est bien. Salut, mon totri, let's go, top 1 la prochaine. Alors, moi, j'aimerais bien continuer à faire le rat. En fait, j'aimerais trop avoir de la chance sur la zone et ne pas devoir sortir de la maison, mais ça tient du miracle, en fait, que ça arrive. Tu vois. C'est pas possible. Salut, Izen. Ah, le son que... Bah, si vous voulez, j'arrête de mettre le son là. Hein. Vous me dites, hein.
Dites ce que vous préférez. Moi, je m'en fous. Hein. Là, on est en moyen. Vous préférez là Tu sais comment sont calculés les points des games ou pas? Oui, bien sûr. Alors, en gros, plus t'es bien classé, plus t'es mieux classé, plus t'as de points. Et à chaque fois que tu fais un kill, ça fait 10 points. Ah ouais, c'est mieux. Mais c'est fou que vous préfériez avoir du bruit dans les oreilles. Regardez comment il tire. C'est mieux comme ça? Ah ouais, c'est marrant. J'ai jamais joué à PUBG de ma vie, c'était la première game que je lançais. J'espère que j'ai pas été trop mauvaise. Je n'ai jamais lancé le jeu de toute ma life. C'est pour ça que je suis morte de la zone là, trop relou. J'avais pas d'XP quoi. Donc ouais, compliqué, mais on va... Écoutez, comme j'ai fait la première game de ma vie là maintenant, je vais essayer de, maintenant, avec les connaissances que j'ai, en faire un truc. Voilà. J'ai déjà joué au jeu, mais ça se voit pas parce que je suis nulle. Pourtant, je vous jure, je suis pas si mauvaise. Salut Nobu, comment elle va? Ça va? Ah, on entend les gens râler, on entend les gens hurler. C'est sympa. Ah, Ruda. T'as loupé la première game, j'ai fait top 45. Exceptionnel classement, bien sûr, exceptionnel. Merci beaucoup, Provençal le Gaulois, pour le 5ème gift, exceptionnel. Merci beaucoup. Oh oui! Alors. Ah. Ouh. Ti. Ah. Ah. J'essaie de voir la différence entre certains trucs que je fais là. Et. Oh. Oh. Non, je vois pas la diff entre tous ces boutons que je change là. Ouais. On a eu un T3 aussi avant, mais je ne l'ai pas vu. En tout cas, merci beaucoup pour les sommes. Et sinon, ce week-end, on se retrouve pour la ZLAN 2024. Peut-être que vous ne connaissez pas cet événement exceptionnel. Un tournoi multigaming avec tout plein de jeux, 10 jeux. Si vous ne savez pas les jeux, vous faites point d'exclamation jeu avec un X dans le chat. Vous aurez la liste des jeux auxquels on va jouer tout le week-end. Peut-être pas dimanche, parce que dimanche, c'est vraiment le top 16, je crois, qui joue. Peut-être que si, peut-être que non, écoutez, on verra. Voilà, je laisse le destin faire ces choses. Mais en tout cas, on va jouer à certains jeux. Aujourd'hui, on va jouer du coup à PUBG. Je vais relancer deux parties encore pour essayer d'atteindre le top level des games. Ensuite, on ira sur Céleste. Je ne sais pas si c'est le chapitre 1, 2, 3, si c'est le chapitre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Mais en tout cas, ce sera Céleste. Et juste après, à la fin, on fera le juste prise qui sera essayer de deviner le prix d'objets qui nous seront présentés. Voilà. Céleste, j'ai la pression, mais je suis honnêtement déter. Voilà. Je crois que je vais faire plusieurs commandes pour renseigner les gens parce que j'ai l'impression de faire des points assez souvent et qu'on me pose la question. Alors je vais faire des commandes. D'accord. Alors, on va faire. Point d'exclamation. Sam. Point d'exclamation Sam. Le PC de Samuel Etienne est cassé. Ils sont en train de le réparer. Son live devrait bientôt reprendre. Hop là, voilà. Point d'exclamation Sam, si jamais on vous pose la question. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Qu'est-ce qu'on va poser comme question là? Attends, un truc où il y a les joueurs environnants. Comment est-ce qu'on peut faire? PVE. Non. Les joueurs autour de moi. Zone. Qui est-ce qu'il y a dans ma zone? À ma gauche. Samuel Etienne. À ma droite. On m'a posé la question souvent, donc je fais une commande. Sunday. Tac, tac, en face, étoile,
Derrière. DFG, Shones et Shishayu. Attends. C'est bon, j'ai bien écrit. Super. Voilà. Pour les gens qui demandent qui c'est qui est autour de moi, Zone. Pour l'exclamation, Zone. Voilà, comme ça, vous savez tout, messieurs, dames, vous savez tout. Voilà. C'est fait. Super. Comme ça, vous avez vos réponses. Bon, ça va, vous allez bien? Vous pensez que je vais faire top combien? En vrai de vrai. Oh, est-ce qu'on ferait pas une prédiction? Mais on va faire une prédiction sur le prochain top de PUBG, sur la prochaine game que je vais faire. Vous allez parier des points de chaîne gratuits que vous pouvez gagner en regardant le live. Prédiction de points de chaîne, messieurs, dames, qui va bientôt arriver pour que vous puissiez parier sur mon placement que j'aurai à la prochaine partie PUBG qui va être lancée dans une trentaine de minutes, comme ils doivent finir leur partie avant qu'on puisse en relancer une. Voilà. Hein? Ouais. Ah non, mais t'as vu, on était 70 dans la zone là. Alors qu'elle était toute petite là, j'étais en mode. J'ai trop le seum de. En fait, je me suis mis à donner ma position parce que j'ai lancé une grenade. Mmh. Safe en bâtiment. Ah. J'ai donné ma position. Ouais. Et j'aurais dû rester planquée en fait. Ouais. Ah, t'étais bien. J'étais full life, one down, tout était parfait. Je suis allée donner ma position. Ah merde. Je suis fait par un mec qui. Bien. Moins bien que moi. Ah ouais? Ah ouais. Ah non. Merde. Ils ont fait le long coup qu'il a mis à me tuer. Mais c'est la vie. Ah ouais. Et ouais, moi j'étais dans une maison terrée et j'ai vu genre une voiture, deux voitures, un vélo, une moto, un truc passer comme ça à droite à gauche. Ah ouais, non, c'était un truc de fou. Hein. C'est trop drôle. Ah putain. Pourquoi t'as pu? C'est trop fort. T'as pu, bien joué ça. Bien joué, c'est cool. C'est cool. Ce serait beau que un membre du passif Overwatch aille loin. Vous trouvez pas? FD, je pense qu'il va nous pondre une masterclass sur Céleste. Honnêtement, je vous parle honnêtement. Salut Drixey, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Top 1 manicure, voilà. Même si personne les a remarqué, mes ongles. Top 1 manicure. Par contre, moi, je vais mute le bruit environnant quand je serai sur PUBG parce que ça prend beaucoup de place dans les oreilles. Parce que moi, j'ai votre son dans les oreilles. Salut Lisa. Étoile s'entraîne sur Céleste. Ah putain, oui. Trop marrant. Pourquoi est morte pute à cause de toi? Hé hey, Pixis, pourquoi tu racontes des bêtises comme ça? T'as un problème? C'est ton moment, c'est vrai? Quoi? Il y a la prédiction qui a été drop. La prédiction a été drop sur le chat. Vous pouvez parier pour vos points de chaîne si vous le souhaitez. Tu me dis quand tu repars dans le deuxième lobby? Ouais. Bah. Il faut relancer, c'est ça? Ah flûte, putain, je suis pas dedans depuis tout à l'heure. Oh putain. Il est déjà fiché ou pas? En jeu? C'est fini ou pas? Attends. Oh, c'est vrai que je regarde pas de ça depuis tout à l'heure. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne crois pas. Faut jouer? Attendez. Ils ont fait les lobbies déjà ou pas? Pardon? Ils ont fait déjà. Je sais pas si. Ah ouais. Salut Sharon, oui! Ah oui, ok. Non, mais t'es pas dans le groupe, t'es passé au groupe de GFT. Encore créé, donc là. Tu l'as trouvé comment? C'est le truc? Non, je ne vois pas ça. Mais pas ça? Mais j'ai un. T'as pas tapé le bon truc. J'ai deux, du coup. Bah, juste enlève-toi. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais.
Ouais, nickel. Non, moyen, s'il te plaît. Merci. Moyen, c'est... Okay, ça, c'est... Ah oui, d'accord, game 2, putain, oui, d'accord. Alors, le pseudo, le mot de passe, c'est un peu... N'hésitez pas à lire la commande Sam, bien sûr. On a les infos sur Céleste. Qui c'est qui a gagné la game, vous savez ou pas? Et là, tu peux commencer le stream. Alors, c'est... Ça ne tient pas, on quitte le stream, on va l'aider après. Très bien, il y aura des vidéos. C'est Kalen? Nice. Evan, Kalen. Kalen. Evan, ok, dans les, deux, dans les lobbies. D'accord, ok. Nice, bien joué. Cool, cool. Cool pour eux, ouais, c'est stylé. Nice. Le deuxième lobby, du coup, se lance. Visiblement. Non, c'est bon, normalement. Hein. Je suis bien, là. Oui, je suis bien au lobby 2. D'accord. Hein. Attendez. Ça a bugué, là? Pardon? Ça a bugué, non? Ça a bugué. Ouais, ça a bugué. Il a été supprimé, le lobby, je crois. Ouais, ok. Le lobby a été supprimé. Ouais. Ouais, ok. On est bien. On est bien. Je suis désolée, mais il faut respecter le lobby. N'hésitez pas à faire prendre l'estimation. Ça. Normalement, il a relancé son... Je sais pas sur quoi j'ai cliqué. Il a relancé son live. Pour tous ceux qui demandent à propos de Samuel Etienne. Bonjour et bienvenue sur le service après-vente. Le live de Samuel Etienne a été relancé. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Bien sûr. Il est bien en live, je le vois. Écoutez-moi. Il n'est pas lancé encore, je veux dire. Non. Je double check. J'ai apparu. J'ai apparu, t'es un gobelin. Mais je suis bien à côté. Il est pas là. Il était ailleurs. Je suis hypée. Non, je suis un peu surexcité. Mais Sam et Etienne est bien en live, Buddy. Il faut vraiment faire F5. Hein. Je vous assure, je ne vous mens pas. Alors, à moins que ce soit un live uniquement sur les abonnés ou Prime Twitch, ça m'étonnerait. Vraiment, il est en live. Hein. Je le vois à côté de moi. Donc, vous pouvez pas me dire le contraire. Comprenez. Non, je suis surexcité parce que stressé. Ça y est, c'est parti. Je ne sais pas. Visiblement, non. Si, voilà. Ah, ça, super. Voilà. Hop, on a trouvé le lobby dans la main. Là, je vais taper. Mot de passe incorrect. Ah non, lobby 1. G2, d'accord. Et nous, c'est G2. Ah oui. All right. J'ai fait top 45, messieurs, dames, top 45 exceptionnel. Non, un peu moyen, mais en réalité, vu le niveau de la LAN et vu le nombre de gens qui restaient dans la zone à ce moment-là, je suis très contente de cette performance. Vous pouvez parier normalement des points de chaîne pour savoir, pour essayer de parier, mettre votre pièce sur le top que vous pensez que je vais faire dans la prochaine partie, n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Prendre beaucoup de smoke et de quoi survivre. Merci en tout cas. Non mais après, j'essaye de prendre en fait le maximum de trucs que je trouve par terre en fonction de mon spawn. Après, je ne suis pas une joueuse professionnelle, bien sûr. Je fais de mon mieux. Donc voilà. Voilà, Emou, alors merci. Alors Emou, je crois que tu m'avais me conseillé aussi et tu m'as dit quoi? Il faut prendre des armes et des munitions. Oui. Oui, d'accord, bien. Oui, je comprends bien, oui. Merci. Non, en vrai, les conseils sont bienvenus, messieurs dames. Hop. J'avais fait combien de kills? Attends, regarde Bigou, Bigou, t'es prêt ou pas? Bigou, regarde. Le chiffre va s'afficher sur ma main. Attention. Attention, il arrive, attention, le nombre de kills et.
3, ah non, non. 0, la tête à Toto, quoi, tu vois, genre vraiment là, ça là. 0, 0. 60. 0 kill, 60 kill. Non. Il y a tellement de gens stylés dans ce lobby, ça me fait extrêmement peur. Mais il y a tous les vieux, il y a tous les streamers Overwatch dans mon lobby en fait. Je suis avec Momo dans le lobby, j'ai trop peur. Je me pisse dessus. Il y a Gomar également, il y a Nico. Il y a FD God, il y a Ben Best. Oh, il y a Angle Droit, oui c'est vrai. Je suis dans le même lobby, tout à fait. Poco il est... Mais où est-il? Il est là. Il est là, il est là. Ah. Salut! Salut Overwatch! Ah, super! Je suis rouge comme une tomate là. Salut, moi c'est une tomate. En fait, on me confond souvent entre le fruit et le légume. Et moi, j'avoue que j'ai pas trop d'avis. Je suis une tomate quoi. Il n'y a pas de problème. Je suis stressée. Je sais jamais, parce qu'en fait, il n'y a pas de vraie solution, il n'y a pas de bonne façon d'entreprendre une partie sur ce jeu, parce que c'est très aléatoire quand même. En fonction de comment les gens sentent la partie, où est-ce qu'ils vont spawn, machin, machin, en fonction de où ils vont aller. Le stress est à son comble. C'est très random. Ouais, non, mais tout à l'heure, je suis allée dans un spawn. Je suis allée dans un spawn, les amis. Mais genre, tu sais, à l'autre bout de la terre, je me suis dit, tranquille, il n'y a pas d'autres gens qui ont une pensée de ratus comme ça. Eh ben si, il y a un mec qui est rentré dans le même maison que moi, toute perdue, toute nulle, là, qui m'a tabassé la gueule, j'avais trop le seum. Top 97. En vrai, top 45, je suis vraiment contente pour le coup. Hein. C'est tout ou rien, non mais je te jure. Bah, on peut rester caché jusqu'à la fin, mais le problème c'est qu'il faut déjà rester caché. Ah, tu parles de la viande ou quoi? Et c'est dur parce qu'il faut de la vie, il faut rester dans la zone, il faut se cacher correctement, il faut pas se mettre forcément à découvert, il faut aller chercher une voiture, il faut se déplacer vite, machin machin. Donc il y a plein de trucs à prendre en compte plutôt que juste se cacher. Attendez, venez, on se met un. Venez, on. On y va quoi là? Nana. Pedro. Sada. Quoi? Tout va bien. Ta-da!
Pedro, 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 Pedro. Allez, on fait top 1 à cette partie de PUBG. All right. Qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Non. Oui, on attend là, non? C'est bon? On attend juste la partie là, tout va bien. Vous voyez. Ouais, je crois que c'est. Mais là, c'est bon, tout va bien. Le vent de l'année. Le vent de l'année. C'est pas grave, hein. Vous savez, les vents, on va en bouffe tous les jours. Donc. Vas-y, là, nous y vont. Nous y vont de l'année. Poco est in-game. Ah, oh! On marche dans mon oreille, là. Ok, allez, c'est parti. Chat en mode emoticon only. Je peux plus vous lire, mais je lis dans vos pensées. Et vous pouvez me conseiller dans vos pensées. Je vous écoute. All right. Je suis stressée. Alors attendez, on va essayer de réfléchir stratégiquement, d'accord? On va essayer de se mettre dans la peau de quelqu'un qui est un raton. Et essayer de faire un truc similaire, mais pas tout à fait. Vraiment, il faut se retrouver dans une maison où personne n'a décidé d'aller, tu vois. Je me dis un truc tordu, genre vraiment le début du... Vraiment le début, peut-être. Le problème, c'est que le début, je me dis, il y a peut-être des gens comme Moment qui vont vouloir y aller, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il faut vraiment aller dans un truc vraiment cursed, quoi. Un endroit... Oui. Sur vos... On peut voir le chat. Ok. Putain. Là, c'est comme le... C'est la chance, quoi. C'est juste de la chance, quoi. Est-ce que je vais avoir des gens dans mon endroit ou pas, quoi? Parce que je pense que les lasts, les derniers trucs là, c'est pas une bonne idée. Parce que tout le monde essaie de faire un peu le rat, atterrir au dernier moment, au dernier truc et tout. Donc je pense qu'aller aller à l'encontre de ça et d'essayer de spawn au début, c'est une bonne idée. Qu'en pensez-vous le chat? Vous pouvez pas me répondre. Mais je pense qu'on est d'accord. Putain, je suis trop stressée, j'ai fait un mauvais choix, je suis dans la merde. Aïe. Ok. Je vais faire un truc tordu. Tordu du cul. Et si ça marche pas, tant pis. J'aurais tenté. Ok. Mec. Il y a un mec là-bas, putain. Ok, bon. De toute façon, les gens vont loot, alors la question c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà arrivé là ou pas? Ok, il n'y a pas de voiture vers moi. Je suis dans un truc à essence.
Oh non. Oh non, c'est pas possible. Non, Samuel qui a fait top 94. Oh non. Oh non. Pauvre Samuel. Je vais pas tarder à te rejoindre, t'inquiète. Je suis à l'autre bout de la terre. J'ai une motoneige ? Est-ce que j'ai une motoneige ? Putain, dites-moi que oui. Ah non, j'ai pas de motoneige, je suis trop dégoûtée. Je suis vraiment greedy, putain, moi je me balade avec un pompe là. C'est la pire chose au monde. Je pourrais vraiment avoir n'importe quelle arme. Ah, je dois ouvrir avec un pied de biche, mais c'est une blague. C'est une blague ? J'ai qu'un pompe. Y'a pas de voiture là. Peut-être là-bas là. Oh, je suis trop dans la merde, j'ai pas d'autre arme quoi. Bon, regardez la gueule de mon loot. C'est quoi cette situation? Ah, la partie commence pas tout à fait très bien. Mais tranquille. Je sais pas quoi faire. Je suis dans la merde. Je vais sans doute pouvoir trouver une voiture quelque part là. Ce qui serait super, c'est que je croise personne. Je vais sans doute croiser quelqu'un. De voiture là. Putain! Je trouve pas de voiture! Ah non! Ma pauvre est tellement triste! Je suis en plein milieu de la pampa là, c'est ridicule! Observatoire. Pedro! Hey. Dites-moi que c'est une voiture qui roule, s'il vous plaît, j'en peux plus. Elle roule ou pas? Oh non. Marche ou pas? Non, ok. Ah oui, enfin une arme normale. S'il vous plaît, quoi. Je sais pas si j'ai besoin de ça. Au viseur point rouge, ça c'est bien. Je vais prendre une x4 au cas où j'ai un sniper quelque part. Sniper. Je vais me balader en vélo là? Je vais vraiment faire ça? Vous savez que c'est une très mauvaise idée. Je sens qu'on va le faire. C'est une voiture là-bas là. Oh, je
c'est vraiment... C'est peut-être un piège, j'ai l'impression. Non ? La voiture de merde. Ça fait un bruit de bâtard ! Ah, si tout le monde ne m'entend pas, je comprends pas. Oh là là, mais la Dacia, ça fait un boucan, frère ! C'est quelque chose, hein. J'ai la Dacia pimpée. C'est quoi que tout le monde a une voiture mais avec des flammes. Oui. Super. Oui. Des flammes. Putain, on est 85 en vie, c'est la déprime. Un delta plane, je l'ai vu, mais je vais pas le prendre parce que c'est trop. Dacia dans la neige là, je peux te dire que ça use les pneus hein, ça. Le froid ça fait pas du bien aux pneumatiques. Oh purée. Je vais peut-être retourner sur la route rapidement. Parce que là, on rigole pas trop. Putain. Je suis en train d'abîmer le capot. Putain, le poteau. Des primes de ma bagnole. C'est cauchemardesque. On y va. Cauchemardesque. Putain, c'est pas possible. Non. Allez, allez. Allez. Mais putain. Accélération, le VTT. Oh non. Non, pas une deuxième fois de la zone quand même. Allez. Non. 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 Le VTT.
c'est rapide. Top 72. Mais là, c'en est à l'autre bout de la table. Vous voulez revoir ma mort ou quoi? Allez, on regarde ma mort. C'est pour me tuer, le vélo qui avance tout seul. Oh putain. Oh waouh. Oh waouh. Oh non, c'était tellement marrant. Oh, j'ai envie de crevettes. Les amis. Oh, mais attendez, 72, vous vous rendez compte tout ce qu'on a fait? Tout le chemin qu'on a parcouru? Pas compris le move de sortir de la voiture. Ah. Ça va? Ça va là? Oh, à croire que je suis contente de faire top 72. Putain. Et tu aurais dû jouer mieux. C'est pas grave. On fera top 1 sur la prochaine game, ça nous rapportera plein de points. Mais vous vous rendez compte, top 72 alors qu'on était genre... genre on était à la 3ème zone, c'est un truc de fou. Aïe aïe aïe. Je suis dégoûtée. 72, mais vous vous rendez compte le nombre de joueurs qu'il y avait? C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Deuxième zone. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de zones. Non, mais écoutez. En fait, moi, la voiture, elle s'est bloquée dans un truc. J'ai paniqué. Je voulais vite sortir. Je voulais vite retrouver vie. Et j'ai pas réussi à débloquer la voiture, quoi. J'ai fait une alliance avec Sam. Ouais, je sais pas où ça nous mènera, mais on peut essayer. Ouais, non, mais c'est le début, hein, moi, y a pas de soucis. Hein. Ouais, 72, bon, ça pue la merde, je suis trop deg, mais cool. On va regarder le live officiel. On peut faire ça en attendant. Le gars, il a eu... Des petits coups sur Straito, mais c'est dangereux, hein. C'est dangereux de faire ça parce qu'on se révèle en tirant dans PUBG, vous le savez. Kenny qui n'a plus de casque, quasiment. Casque tier 2. Comment va-t-il entendre le pauvre s'il n'a plus de casque. Ah ouais, c'est stylé. Vous vous rendez compte, il y a tellement de gens au même endroit, quoi. Ils sont pas vu le cas en bas, c'est violent. Ouais, ici là. Bah, c'est en train de bouger d'ailleurs. Oui, voilà. C'est en train d'avancer tranquillement. Il y a Dalen, non pas Kalen. Ah, c'est stylé. Bien sûr. Oui, Dalen, il y a Dalen et Kalen dans la LAN. Ah putain, j'avais pas remarqué. Ici nous avons. Oh là, je croyais que Dalen c'était genre l'autre compte de Kalen. Regardez-moi ça. On a vu le tir. Oh là là. Ok. Est-ce qu'ils se sont vus? Je pense qu'ils se sont totalement. Ah oui. Ils se sont totalement. Ouvrir la porte, lancer une grenade. Mais il a volt derrière. Lance ta grenade. Il est passé derrière. Regarde, il est derrière le bâtiment maintenant. I'm begging you to lancer ta grenade. To lancer ta grenade. Ok, fight entre les deux. Oh non. Et voilà Rayures. Mais malheureusement, Vultis qui n'avait pas vu Rayures sur le côté. Un désastre de l'autre côté qui a décidé de. D'éviter le combat, et ça tombe bien, son adversaire est en train de s'en aller. Par contre, faut pas pouvoir tanker la zone. Déguisé en quoi, Antoine? Je sais pas. Très mal, là. 3 HP par seconde. On dirait qu'il est déguisé en Daft Punk, ça va pas du tout. C'est vrai que je sais pas en quoi il est déguisé. MDR. Attends, ça censé représenter quoi? Oh, s'il meurt là, c'est mon rêve. Je comprends pas. Oh, mon rêve. Un casque géant, peut-être? J'aurais adoré voir ça. C'est quoi? Je suis désastre. Il est au Uzi, qui est probablement la meilleure arme du jeu. Une des pires, effectivement. Tout à fait. Une des pires. Non, désastre, il sait éviter les AO, joueur de MMO. Voilà, il connaît très bien. Je vais enlever la commande, j'arrive. Oh, accident de voiture. Bon, en vrai, de toute façon, c'est pas grave, je suis. Merde, j'ai. Ah ouais. Que je... Oh, Rayur qui. Ah non. Shones Edge, c'est Shones. Tout à fait, c'est Shones. Donc c'est lui qui l'a tué. Soldat de Squid Game. Oh, peut-être. Okay, peut-être bah, soldat de Squid Game, effectivement. Pour lui, pour le coup. Oui, tout à fait. C'est un 27 en vie. Vous vous rendez compte, dans cette zone, elle est tellement petite. Oh, what the fuck, Kenny qui tue Poco. Aïe, aïe, aïe. Mais Kenny, vraiment, qui ne s'arrête pas. Il pulvérise tout ce qui est autour de lui. Ah non, il est trop fort. Ah, Kenny est monstrueux. Non, mais ils me font trop peur, les gens. Les gens, sont-ils humains? Vous pensez que les gens qui gagnent sont humains ou pas? Moi, je pense que c'est des bots, en vrai.
genre des IA créés pour détruire les gens à la Zilan. Rien à voir. Tu vois. Impossible. Moi, je pense que il y a un truc de fou là qui se cache. Poco, je sais pas s'il est humain, mais en tout cas, il me fait peur, certes. Mais moi ça, il arrive, il vise quand même les voitures et tout. What the fuck? Oh, le giga stuff de fou, incroyable. Il m'avait dit qu'il savait éviter les aéros. Je croyais. Franchement, je top top 2. Donc dommage. On est sur le top 7. Top 72. Tranquille. Tranquille. À l'aise. Tout à fait. On entend Gomar qui c'était tellement marrant le vélo, putain. Trop le seum. Top 72 de mon côté, très très solide, hein, bien sûr. Non, mais en fait, PUBG à la Zilan n'a rien à voir avec PUBG classique. Vous voyez ce que je veux dire? PUBG classique, t'as des gens nuls. PUBG Zilan, ça n'existe pas, des gens nuls. C'est moi, en fait. Vous avez vu comme ils stack dans les maisons? What the fuck? Ils sont tous dans une maison différente, c'est un truc de zinzouin. En fait, là, il y a ceux qui sont en véhicule dans cette zone-là. Ah ouais, il y a des gens qui sont en voiture. Il y a des gens qui sont à pied. Et il y a des gens qui sont comme Kenny, qui tirent sur les autres. C'est Leaf, hein. C'est Leaf. Ah, ok, non. C'est Leaf qui est mort. Davitor est mort d'accident. Waouh. Cinquième kill sur Straito. Kenny qui a une marque également. J'ai la fenêtre ouverte, j'ai crois avoir entendu Gomar de chez moi. Oh, what? Je ne sais pas pourquoi l'admin va aller le voir, je suis en tout cas, il a visiblement un souci, c'est évidemment la marche. Alors que Bichard est en voiture en plein milieu de la map. Bichard est en voiture en plein milieu de la map. Ça m'explose. Elle est l'une des seules à être en zone. Oh, Carcagnan. Mais je crois que je vais faire ça la prochaine game. Je vais genre prendre une voiture, je vais rouler sur les gens, je vais jamais la quitter. Mais le problème, c'est que si t'as plus d'essence à un moment donné, tu fais comment? Il l'a headshot et l'inertie. On a raté ça. Désolé de ne pas vous donner le spectacle du mérite. Le CNES, waouh, qui se fait tirer dessus. Tout à fait, tenant du titre de la Zilan. Face à Tone, face à Berlu, face à Rémi. Vous avez eu chaque maison à un mec. What? Ils sont pas dans la zone, hein, donc ils vont devoir back, ils vont devoir avancer, quoi. Ça va être interdit les véhicules. Moi, je pense que les bombes, les véhicules, les motos, les vélos, les poils, ça doit être interdit sur PUBG. C'est fait craquer. C'est fait craquer trop. Alors t'es mort? Ah ouais, Théo, c'est une bonne idée ça. Faire le plein d'essence et rouler en voiture et ne jamais s'arrêter de rouler. Oh, the dream. Et là la zone vient de faire sortir tout le monde de ce village, donc il va falloir se dépêcher. Tu te caches derrière une voiture, la voiture est surprise. Alors Crocodile qui va devoir sortir de la maison, attention, hein. Est-ce qu'il prend sa petite voiture? Zdasiapov, ma Dacia elle pue la merde aussi, hein. Elle roulait vraiment pas très vite. Oh, putain, la course poursuite, dinguerie. Ah ouais, attention. Ok, il faut qu'il drop, faut pas que ça explose sur lui. Ok, ça va. Oh, bien nice. Bien joué Loch Ness qui a très très vite réagi. Parce que Bichard a vu que le véhicule fumait, du coup il lui a tiré dessus en se mettant en deuxième position. Ils sont forts, hein. Franchement, les gens sont forts. Et ouais, il s'est mis en conducteur. Ça, c'est un niveau de jeu, mon cher Zerator. Totalement. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, effectivement. J'ai envie d'éternuer. En Zilan. Little Big Whale toujours au centre avec maintenant Loch Ness. Oui, je pense, ouais. Une fois que t'as fini ta game. On est sur le top 10, hein. Enfin, top 9, très exactement. Ouais. Avec que des joueurs qui sont très à l'aise sur le jeu. Par contre, on a Lululol qui est un peu bien dans sa maison, là. Un crocodile. C'est le chaud, quoi. Et surtout qu'il n'y a qu'un seul. Oh là, les dégâts, les dégâts. En fait, il est en train de mettre une trousse de soins. Il peut plus faire machine arrière, mais le problème, c'est que ça ne suffira pas. Non, mais là, non. Tu l'as pas tué ? Ah oui, côté. Il sort du mauvais côté. Il faut courir. Ah oui. Oh non. Putain, trop marrant. Je suis désolé. Ah non, ça va. Pas trop le seul. Il faut arrêter de troller. Moi, je suis encore morte de la zone comme une merde. J'ai trop mal. J'ai trop du mal.
fumée, mais il a réussi à s'en sortir. Galère. Wayne qui est toujours dans sa propre position. Il s'est vraiment par Ray Urette. Il s'est big Wayne là. C'est vraiment par Ray Urette. Sur le top 6. Avec Little Big Wayne. Ouais, j'y vais un poil tard à chaque fois, vous avez raison. Vous avez raison, t'as raison, Costerassi. La zone qui fait plus de kills qu'un est en deux games. Ah bah franchement, le jeu, est, je trouve, pour faire des kills, est pas... Au début, je trouve ça compliqué, honnêtement. Mais ouais, j'ai pas fait de kills. Après, c'est pas mon gameplay. Moi, j'ai pas envie de faire de kills. Enfin, j'ai pas spécialement envie de tirer, comme remarque et tout. Pour l'instant, on m'a pas remarqué parce que je suis mort de la zone à chaque fois, mais tranquille. Bichard, le luxe. Regardez autour de soi. Chirurgical, Antoine, ce kill sur Bichard. Ça sent le chicken dinner dans quelques instants, messieurs. Effectivement, et nous sommes sur le top 5. Loch Ness KO Rim. Qui est au milieu de ces deux shots. Gwen qui est en train d'essayer d'avoir KO Rim. Va-t-elle faire son premier kill de toute sa vie? KO Rim. Et oui, ah oui, très bien, nice. Gameplay pacifiste. Bah en fait le truc c'est que si j'aggro quelqu'un et que je sais pas s'il est bon ou pas, je me fais forcément défoncer la gueule, voyez. J'ai pas envie de risquer ça quoi. Faudrait vraiment tomber contre un gros noob pour faire un kill quoi. Ou alors être obligé de me battre, mais je préfère. Elle est trop forte, très bien, ouais. Donc. PUBG, je crois que c'est vraiment son jeu de cœur, donc pour le coup, ouais. Ouais, je sais pas, ça peut te faire tanker un peu pour te déplacer. Loch Ness niveau 62. Je suis d'accord que ça trivile pas mal, après elle vient de... C'est en plein milieu, ou alors niveau, ou alors c'est le numéro 62. Oui, mais là, je vais déplacer depuis maintenant, plus personne ne sait rien. The Mister Siege. Ils sont remis à zéro, ils sont 4 dans un joueur de poche. Tout à fait, Antoine, avec Little Big Whale Rayure contre Loch Ness ou Lulux. Sachant que Lulux, c'est un... dans le dos de Loch Ness. Je sais pas s'il a... Est-ce qu'il a les infos? Il y a des smokes. En fait, il y a des smokes, des fumigènes, donc même s'il est derrière, pour l'instant, il voit pas. Mais dès que la... Ils sont 4 là. Ouais, je pense qu'ils finissent que... Et on attend que la game se finisse avant de en relancer, je pense. Bienvenue. Je vous applaudis des deux mains. Sachez que... Sachez que la Zidane dure 3 jours. Non. Oh, Lulux qui vient d'éliminer Loch Ness. Ah ouais, Lulux qui élimine Loch Ness. Il a 9 kills, vous rendez compte? Question son titre de vainqueur de la Zidane l'année dernière. C'est vrai. Pour moi, il faudrait lui retirer. Effectivement, on va y réfléchir. Je vais en parler. Je trouve que vraiment... Peut-être effacer son nom sur la coupe. Bah en fait, c'est vraiment pas ouf. C'est vrai que c'est très chaud. C'est vrai que c'est très chaud. Tu as plutôt raison. Alors, rayure Little Big Whale ici sur le côté. Bon, ils sont plus de 3. Hein. Ils sont plus de 3 dans cette zone. Regardez. Right. C'est assez large pour l'instant, mais dans le Kozak, ça serait très chaud. Ouais. Tout à fait. Là, ils sont vraiment loin les uns des autres, sauf Rayure et Little Big. Il y a beaucoup de... Enfin, il n'y a pas beaucoup, mais je veux dire, il y a aussi de la chance dans ce jeu, quoi. S'il y a genre 2-3 personnes qui te regardent en même temps que t'as pas fait gaffe et tout. Hop, juste là, et en fait, il est derrière. Bon, en vrai, si tu fais gaffe, normalement, c'est bon, mais... Il est sur un shrink assez petit, donc même si dans 5 secondes, ça commence à rétrécir, il va pas être tendu. Il y a des trucs qui peuvent se faire sans que tu fasses trop gaffe. Ouais, un Rayure qui avance la zone. En rampant, ça aurait pu être moi, ça. Vous voyez. Salut Joe! Comment ça va? Lulux, on le connaît? Moi, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Peut-être qu'on le connaît déjà. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Ils ont eu de la chance parce qu'ils sont sur une zone très centrale par rapport au shrink. Tout va avancer très lentement. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça n'a pas été sur. Ok, ils sont plus que 3. Rayure, Lulux, Little Big Whale. Vous pensez que c'est qui gagne là parmi les 3? Bah, les 3 sont Fuji, ils sont mis dans la zone. Kalen. Mais peut-être y avoir un affrontement Lulux, Rayure bientôt. Hein. Evan, tout à fait. Evan et Kalen. Little Big Whale qui rampe aussi. Là, on est sur des quarts. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 3 sont capables de faire des kills, ils en ont fait. Lulux et Rayure, 9 et 4. Et Little Big Whale, il y en a 1, mais on l'a sait capable de. Oh non, oh, Lulux qui prend un énorme risque ici. Et Rayure le voit. Rayure. Nice, putain, le rat. Le rat originel. Combat des rats. Little Big Whale, elle a un avantage, elle sait où est son adversaire, alors que Rayure ne sait pas où est son adversaire actuel. Mais du coup, là, du coup, il bouge à fond. Ouais, Rayure qui est en train de faire des bruits de pas. Donc Little Big Whale, pour la fin, peut-être le dernier kill. Attention. Une flash qui a été envoyée. Little Big Whale qui envoie une petite grenade, une flash. Ça te révèle pas, hein. Ça révèle non, pas non, la recette. Mais en vrai, c'est pas mal ce qu'elle fait. Ok, elle est en train de faire le tour. Là, elle a plus trop d'infos parce qu'elle entend plus Rayure. Elle sait juste qu'il est dans cet alentour de zone. Et au niveau de la prochaine zone, bah, c'est la dernière zone. Là, c'est totalement la dernière zone. Allez!
Et là, le problème, c'est qu'on peut être surpris. Hein. On peut être surpris. Très bien, ouais. Vous voyez, il peut être à n'importe quel petit point. Il est parti derrière n'importe quel arbre. Derrière chaque petit point de colline, là, quand même. Derrière chaque petit buisson. Ouais, c'est ça, c'est très, très difficile. Waouh, c'est tellement. Il va se rétrécir d'un coup en plus. C'est tellement stressant. Ils sont 2 minutes pour se trouver. Little Big Way. Essayez de faire la via Maria. Réures. Bien fait une game. Magnifique. Donc c'est Arthur Ray, rayure, qui va être le Little Big. Oh ça y est, oh elle l'a vu. Elle l'a vu, mais lui il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Non, lui ne l'a pas vu. Lui ne l'a pas vu, c'est quasiment sûr. MG et ses mains. Oh ça y est, ils ont été vus. Ah, ils sont... Ok, le duel va commencer. Ouais, regardez, elle a découpé en avance, ça va exploser. Car 98. C'est la M24. Quoi, putain de merde. Oh là là. Oh putain. Elle a découpé. Oh, ça peut faire mal cette tonade. Bien joué! Incroyable! Trop fort! Trop fort, trop fort! Aise! Trop facile! Incre! Let's go! Trop fort! La goutte! Non, c'est Little Big Way, je sais pas pourquoi on a eu un mec qui saute de joie alors que c'est pas lui. Faut retourner au lobby. Oui. C'est ça. Ouais, ils vont refaire un autre lobby et du coup on pourra le rejoindre, mais pour l'instant je crois que c'est pas fait encore. Sûrement un autre topin. Ouais bah je sais pas, mais en tout cas un mec content quoi, on a vu un mec content. C'est Trivia. Maman. Ah voilà, je préfère quand les lumières sont plus tamisées parce que là le teint c'est pas possible. Ah, top 2 5 kills c'est pas mal. Ah bah oui. Top 2 5 kills et il me semble qu'il y avait un autre mec qui était à 9 kills aussi. Insane. Ah ouais ? Ah putain, on a le classement général. Putain. Non mais PUBG vous savez c'est pas mon jeu fort aussi quoi, ça va. Tranquille, ça va. Bon, ça va. En vrai, c'est ok. attendez, je suis où? Moi, je suis tout en bas, je pense. Maman, c'est ta. Où suis-je? Je suis si loin, attendez. Ah, j'ai fait top. Ça va, moi, j'ai fait top 45. Ah, je suis pas là. Je suis où? Je suis en bas. Attendez, je me vois pas. Je remets le son comme avant. Oh putain, je suis top 98. Oh, sur le... Non mais sur la totalité des joueurs. Ça va. 98, ça va. 98 sur 198, ça va, il y a 100 joueurs derrière moi. C'est ok, c'est bon. On va faire les choses bien pour cette game, d'accord? Sur 198, ça va. Ça va. Ah, attends, super, je peux clic droit, clic C, CTRL C, CTRL B, oh mouse. Ouais. C'est dans le lobby 2 aussi, là. Quoi? Dans le lobby 2 aussi, quoi. Oui. Moi aussi, il est pas affiché encore. Ah, je suis en train de voir, j'essaie de... attends, hop, il y a lobby 2, ok. Tac. Lobby 2, j'ai...
Voilà. Non, effectivement, toujours pas. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Samumu. Ah, Samumu au classement global, vous voulez savoir, vous êtes sûr, hein? Vous êtes sûr? Vous voulez que je vous dise? Dans notre lobby, deux fois top 1. Oui, vous êtes sûr, hein? Vous êtes sûr de vous, chat? Attendez, j'essaie de trouver. C'est où? Ah, peut-être que c'est envoyé là, voilà. Alors, Samumu, Samumu, Samumu. 191e. Compliqué. Compliqué. Premier, premier, premier aux premières, c'est Kalen, suivi de Evan, suivi de Qatar, suivi de Davitor, suivi de Benjo, suivi de Sakor, Berlu, Fraise, Leaf, Moment, Gob, Poco 12e, Monsieur Bahamut, Keolis, Yola, Yolo, Toran, Persi. Voilà, je vous ai dit la première ligne, la première colonne. Ah putain. Le lobby a été lancé. C'est celui-là, ouais. Nickel. T'inquiète. C'est privé, je crois que c'est sur le Discord pour l'instant, mais peut-être que ce sera mis à jour assez vite sur le site en vrai de vrai. Mes places première game. Alors, quand on cumule mes deux places, je suis 98e sur 198. Donc c'est The Dream. Autrement dit, c'est The Dream. Voilà. Rappelez-vous, l'important c'est de participer, messieurs dames. D'accord. Vous soutenez une joueuse qui n'est pas professionnelle sur PUBG. Mais ça ne va pas m'empêcher d'aller pas chercher le top 1 parce que le top 1 il est pour moi la prochaine game. Je vais essayer de ne pas avoir une strat tordue. Vous avez trouvé ma strat nulle à chier ou pas? Parce que vous me dites, hein. Vous me dites. Qu'est-ce que je fais à la place alors? La strat VTT était pas si mal, mais le VTT il va pas assez vite, il se fout de ma gueule. Tu spawns trop loin de la zone. Ah, je vais spawn proche de la zone la game là. My bad là-dessus. Non, je pense que tu peux. Ce que tu me proposes peut-être, c'est de bouger assez rapidement sur la zone une fois qu'elle apparaît, parce qu'elle n'apparaît pas dès le début de la partie, bien sûr. Voilà. On va te cacher direct au milieu de la zone et prie. Non, 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 je meurs pas de la zone. Là, je vous fais une promesse. D'accord? Je ne meurs pas de la zone. Pas de la zone. Essaye de drop dans un endroit isolé, mais pas une extrémité de la map. Parce que moi, j'aime bien spawn à une extrémité de la map. Parce que, après, je suis tranquille. Parce que si tu veux, si tu es en plein milieu, il y a des gens qui peuvent venir de derrière, du côté, de l'autre côté, de devant. Alors que quand t'es à l'extrémité, eh ben là, il n'y a personne qui peut venir de derrière, quoi. Tu vois? À moins d'être vraiment frappadingue et d'être encore plus derrière toi. Mais voilà. Vous voyez le truc? Vous voyez le truc? Parce que si je spawn en plein milieu, ok, mais du coup, il y a des gens autour de moi, quoi, potentiellement. Ça, c'est pas cool. J'essaye de pas aller dans des endroits où est-ce que je peux croiser des gens day one. Drop à l'est ou l'ouest, mais dans ces cas-là, la map est plus longue que large. Ah. Ah oui, ok. Ok, ok. Vas-y. Après, derrière toi, c'est limite deux zones qui te tuent. Donc moi... Bah, à vrai dire, je crois que je préfère mourir de la zone que d'un mec, tu vois. Je sais pas. Je me dis... Bon, au moins le problème, c'est pas que j'ai pas su esquiver les gens, c'est que j'ai pas su esquiver la zone. Je crois que c'est encore pire. C'est encore pire. Mais tranquille, croyez en moi un petit peu et on top 1 cette game, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un peu de positif.
Si tu es dans le, en voiture dans le gaz, attends de la nouvelle zone de pomme et tu fonces au milieu sans t'arrêter. Vas-y, on believe. Allez, on believe. On y croit. Allez, je joue stratégiquement cette fois-ci, d'accord, vraiment stratégiquement. La première game, j'étais trop un rat. Deuxième game, j'étais trop un lapin en plein milieu de la forêt qui ne savait pas courir avec la zone. Donc cette fois-ci, on fait le parfait entre deux et ce sera bien. J'aimerais bien atteindre genre le top 30. J'aimerais vraiment. C'est très difficile, mais j'aimerais beaucoup. D'accord ? Allez. Allez, Archim. On y croit, ok ? Tu viens de faire sur le live de Zara, c'est vrai ? Non, il a dit Anaï. Non, dites-lui, s'il vous plaît. C'est Anaï qu'il faut dire, d'accord ? Avec un « et ». Voilà, « et », ok ? Merci, merci, c'est bien. Voilà, « et ». Anaï. Attends, on avait pensé. Ah, merci. Merci, ça fait plaisir. Oh, wow. Allez, on y va là. Je stresse, mais parce que c'est tellement aléatoire pour moi ce jeu. Genre vraiment, j'ai en fait, pour moi, le taux de skill représente ça, tu vois, et le taux de et le taux d'aléatoire représente ça. De mon pauvre, hein. Le taux d'aléatoire dans mon gameplay, dans mes décisions, il représente ça. Le skill, ça. Voilà, j'ai été peut-être un peu abusive. Voilà, voilà, ça. Je suis stressée. Mais tout va bien, merci beaucoup pour les follow, bienvenue à vous. Taux de chance. Taux de skill. Pour tous ceux qui débarquent sur le live déjà, bienvenue à vous. Est-ce que vous avez vu mes ongles ou pas? Regardez, j'ai fait un ongle égal un jeu de la Zilane. Et je suis particulièrement fière de cette manicure. Elle m'a coûté un peu cher, donc je vous permets de... Je me permets de les rentrer. Allez, admirez ce qui vient d'arriver là. Waouh, merci, 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 merci. On dirait des acteurs payés, ouais. Wouh. Ils sont trop beaux mes ongles. Je slay. Mais c'est vraiment Thème Zilane, bien sûr. Mais bien sûr, je dis pas ça dans le vent, regarde. Là, on est en train de jouer à quoi? On est en train de jouer à quoi? On est en train de jouer à PUBG. Qu'est-ce qu'il y a sur PUBG? Des armes. Attendez. Des armes. Voilà, regardez. Hop. Le petit gun. Ça, c'est le juste prix. Ça, c'est Trials Rising. Ça, c'est StarCraft. Ça, c'est Céleste. League of Legends. Kallax. Microworks. Slope Crashers. Wreckfest. C'est pas moi qui les ai faits, je suis nulle à chier avec du vernis. Mais j'ai été chez une superbe personne qui m'a fait ses ongles, c'est Le Well Nails sur Instagram. N'hésitez pas à aller checker son compte, vraiment elle est trop forte. Et à prendre rendez-vous chez elle, ok? Faut lui donner de la force, elle est trop forte. Voilà. Genre je l'ai pas fait moi-même. Je sais, c'est étonnant. Ouais, 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 ouais. J'ai un... Ouais, mes cheveux ils sont un petit peu rebiqués là, c'est... Fais voir le casque là, il est mal mis. Ok. Ah, mais mes sourcils, fais voir mes sourcils, attendez, je les remets en place. Rapidement, hein. Hop. Tac, voilà. Attendez. Tac, voilà. Vous avez vu ma souris ou pas? Ma souris comme elle est belle. Super. Waouh. Hop là, nickel. Salut Mike. Merci beaucoup pour le deuxième mode Prime. Et bienvenue à tous ceux qui débarquent. On va bientôt lancer la troisième game et dernière game de PUBG. Je l'espère du week-end parce que vu mon level et vu mon feeling avec ce jeu en ce début de Zilane, j'espère qu'on le retrouvera pas de sitôt. T'as un cil pas droit, c'est vrai? Attends, fais voir. Voilà, c'est bon normalement. Voilà. Oh, il y a un clip que j'ai vu dans le chat, merci beaucoup, la team As, ça parle de vous, super, 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 je suis très contente. T'as un pixel, c'est vrai? Arrête. Un seul. Nice. Un seul pixel, hein, vous êtes sûr? C'est vraiment très peu. Attends, un pixel, c'est énorme. C'est quoi? On peut acheter quoi avec un pixel, une baguette? Ou plus que ça? C'est une folie. Poco, il a dit qu'il trouvait ce jeu trop nul, mais pourtant il est trop fort au jeu, faut qu'il arrête de mytho.
ce gros mytho là. Il joue nous. Ouais, et toi? Pourquoi? Ouais. Pourquoi? C'est trop marrant. En fait, quand tu montes des trucs sur le côté, ah, du coup, à chaque fois, je suis en train. Est-ce qu'elle fait signe ou pas? Ah non, non, pas du tout. T'inquiète, bah, je t'interpelle si jamais. Allez, allez, allez. Time to be serious. J'arrive le son autour de moi, comme ça j'entends mieux. Vous allez sans doute ne plus pouvoir parler dans le chat, c'est normal. Tout va bien. C'est pour PUBG. Vous pouvez plus parler et moi je peux plus avoir le chat. Voilà. Ce n'est qu'un ciao. Je crois en moi, je crois en vous. On y va, on y croit, ok? Allez, c'est parti. Time to slay. Je vais tout donner, d'accord? Après, tout donner, ça veut pas forcément dire exceller. Hein. Mais au moins, je vais faire un peu d'effort. Pourtant, je vous jure, j'ai lancé le jeu, c'est un truc de ouf. J'ai lancé le jeu. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Oh, mais qui êtes-vous? Ah, j'ai cru que je t'avais croisé. Ok. Oh là là, encore une map angoissante là, je sais pas où aller. Est-ce que je vais dans un truc cringe, pas en extrémité de map? Ouais, mais là c'est une petite map. Hein. Oh, c'est une petite map. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah oui, d'accord, c'est une petite map. D'accord, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va aller atterrir. Ouais, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire là. Soit l'espèce de baraque là-haut, soit l'espèce de machin là. Peut-être à côté d'une moyenne ville, parce que c'est pas la folie non plus. Où ça? Non. Ah oui. Ah, bonne chance à tous. Je sais pas quoi faire, je sais pas où aller. Là? Là-bas là? Allez la team. Oh, je suis stressée, je vais tout donner la team, mais je vous promets pas de miracle. Faut que je saute. Ok. Moi j'aime bien aller en extrémité. Putain, je stresse trop là. En même temps, je crois que c'est le seul jeu où ça ne compte pas sur la perf 100% personnelle, c'est-à-dire qu'on a. C'est en fonction des autres aussi. Il y a StarCraft qui est comme ça aussi. Un petit peu Kallax dans un autre sens. La zone vient d'apparaître. Je vais sans doute. Atterrir du coup. Je vais sans doute atterrir ici. En vrai de vrai. Et je vais repartir en voiture assez rapidement, je pense. En vrai de vrai. J'espère juste qu'il n'y a personne. Parce que j'ai pas trop regardé en fait ici. Ok. Il y a des gens. Imaginez 96. Imaginez top 96 là. Écrivez dans le chat, vous pensez que je fais top combien? Genre précisément. Et celui qui gagne, il est VIP pour la Zilan. J'ai trop l'habitude d'atterrir sur les toits avec. C'est mon toxic trait un peu.
Ok, moi je parle pas. Je retourne tout le monde qui parle à son chat autour de moi. Moi je parle pas. Moi je suis silencieuse moi. Alors je vais aller voir s'il n'y a pas des petites voitures. Je peux pas ouvrir la porte là. Je peux y aller ou pas? Oh nice. Il y avait une porte imaginaire dans ma tête. C'est une voiture ça? C'est une voiture, c'est The Dream. C'est pas une voiture. Elle roule pas. Oh putain. C'est une voiture qui roule ou pas? C'est une voiture qui roule ou pas? Putain, elle roule pas. C'est cauchemardesque. Toi non plus, tu roules pas. Je sens que je vais me faire tuer là, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, je... Mon petit doigt me dit que je vais me faire buter là. Pas de voiture quoi? Ça tire à droite, je vais aller à gauche. Avec brouilleur, est-ce que je peux en prendre un deuxième? Oh. Incroyable. Ok. Je suis en train de loot là. Je loot un max. Oh, est-ce que je peux prendre un troisième pack brouilleur? Putain, exceptionnel. Ah non. Ok, j'ai plus de place, c'est ça? Ah, je peux avoir qu'un seul pack brouilleur. J'ai cru au Père Noël, moi. J'ai cru au Père Noël, celle-là. Bon, ok. Du coup, il n'y a pas de voiture, quoi. En gros, il n'y a pas de voiture, quoi. En fait, je devrais spawn avec une voiture à côté, quoi. Vraiment, genre. J'ai les yeux qui piquent. Merci pour les drapeaux. J'ai les yeux qui piquent. Vous auriez du sérum philosophique. Mais il n'y a pas de voiture. Mais donnez-moi une voiture. Je veux aller vite. Je me sens pas mieux de la ville. C'est roulable ça ou quoi? Oh, The Dream. Non, c'est pas roulable. Putain, il faut une voiture, s'il vous plaît. On tire dessus. Ça y est. C'est la fin. Ce n'est qu'un ciao. Je vous en conjure, s'il vous plaît. Une voiture, la Dacia. S'il te plaît. Ça va vous? Vous avez bien le chat? Moi ça va super. Je m'en vais pas du tout dans le bon sens là. Je crois qu'en plus je vais devoir dévaler une colline. Non mais c'est ok. En vrai c'est giga ok. Mais attends, arrête de... Voilà. S'il te plaît Dacia, voilà. Ok. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on roule une Dacia, moi, dans la vie. Ok, vous passez très vite entre les arbres. Vous allez tout droit, concrètement. Je
je rigole. Faut pas aller tout droit, mais faut quand même avoir une ligne directrice. Je ne serai pas morte de la zone. Ok. Ha ha. Qu'est-ce que vous dites de ça, le chat? Bi-b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 i. Alright. Alors, je crois que je vais aller reprendre une route ici. Qu'est-ce que je suis contente d'avoir trouvé une voiture, purée, mais c'est fou, c'est la crise de la voiture, quoi. Là, hop, petit créneau. On récupère la route juste ici. Alors, attendez, je veux vraiment récupérer la route pour le coup, donc... ce serait super de la récupérer. Tac. Tac. Et là, on part à droite, bien sûr. Oh, flûte. Comment est-ce qu'on prend cette route déjà à droite? Ah, voilà. Donc là, je continue. Alors, clignot à droite, bien sûr. Oh, putain, le truc exceptionnel. J'ai failli le prendre. Ok. Alors, vous voulez que je mette... est-ce que vous voulez que je mette énergie ou pas? Je respecte les limitations de vitesse, ok, super, tac, 96 km/h, on est bon normalement, tac, 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 je continue. Alors, je crois que je dois prendre la sortie dans 300 mètres. Ce n'est qu'un ciao, Dacia. Tu roules plus vite, je te prends dans mon équipe. Ok. Une question à vous poser, le chat. Qu'est-ce que je suis censée faire? Alors, je crois que je vais aller vers... je vais faire un petit tour de santé, une petite balade de santé, finalement. Je pense que... ouais, on va faire ça comme ça. Tac, tac, tac. Je pense que l'objectif, ça va être d'atteindre cette zone-là, à peu près. Alors, petit problème de mon côté. Voilà, trois fois rien. Hein. Voilà. Super. Allez, on y retourne. Voir la zone où est-ce qu'elle est. Ah, ok, j'ai changé d'objectif du coup. Ok. Vous vous rendez compte qu'on est encore 75 ou pas là? Parce que moi, personnellement, je ne vois personne dans la rue, quoi. C'est effrayant. Non mais tranquille, c'est un problème de boîte de vitesse là, il n'y a pas de souci. S'il te plaît. S'il te plaît, fonctionne. Allez. Je suis trop dégoûtée. Sa mère. Excusez-moi, je suis trop con. Je ne veux pas nager, je veux conduire. Je nage, vous pensez ? Putain, je suis trop dégueu que j'avais une belle voiture, quoi. Il y a des bateaux ici, quoi. Est-ce qu'il y a un petit bateau qui se balade, là, vous pensez? Petit bateau ou pas? Il n'y a pas de petit bateau? Putain, comment je suis trop dégueu. Pas une petite voiture. Y a pas de petite voiture. Moi, je suis trop deg.
Genre là, il n'y a pas de voiture. T'es en train de me faire croire que là, il n'y a pas de voiture. Il y a un mec qui court là-bas aussi. Je vais encore devoir nager, frère. J'ai pas l'air con, hein. Regardez-la nager, celle-là. Pitié, pas la zone. Pas encore. Non. Non. Ah non. Je suis encore mort de la zone, putain. Mais vas-y, j'étais presque là. Mais vas-y, comment je devais faire? Mais ça dégoûte. Ils ont trafiqué la zone. Non. Je suis trop deg. Bon, en vrai, 38, c'est pas si mal, en vrai. J'ai déjà bien survécu tout à l'heure, en vrai. En vrai, ça va, je suis plutôt contente. Oh, je suis deg, vas-y, c'est bon, là. Je suis deg, je suis en train de me transformer en tomate, là, j'ai trop mal aux joues. Je sais pas pourquoi je suis aussi rouge. J'avais promis, putain. Je suis dommage, j'ai compris, c'est juste que là j'étais sur PUBG donc j'ai besoin d'entendre les choses autre chose que la salle. J'ai compris, merci. Putain, je suis trop dé... Hey, j'ai vu ma voiture, je me suis dit vas-y, je vais la transformer en fusée là, je vais m'envoler dans l'espace, je vais pouvoir atteindre la zone, mais vas-y quoi. J-pep. Ouais, tu sais que j'ai pensé en plus à l'action de Antoine Daniel quand j'étais dans l'eau, j'étais en mode putain, il faut pas que je meure dans l'eau. Au moins je donne pas de points. Tout à fait, tout à fait. C'est la zone mon ennemi moi. Vous avez vu comme j'ai croisé personne? C'est un truc de fou. 38. Bon en vrai 38ème c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. C'est un peu triste parce que j'ai jamais affronté une seule personne, mais écoutez, est-ce que l'ennemi. Est-ce qu'on ne serait pas. Est-ce qu'on ne serait pas l'ennemi de nous-mêmes dans la vie de tous les jours, finalement? Faites genre, c'est stylé. Je... Oh
Il s'est fait tuer de la zone MDR, de la voiture JPEP. Non mais franchement moi je suis contente hein. Je suis morte de la zone quoi, jamais personne ne m'a tué. C'est un truc de ouf. Personne ne me tue moi. Moi je suis toute seule. Je fais des points, oui tout à fait. En fait le classement marque des points. Et le nombre de kills, en fait, à chaque fois que tu fais un kill, tu fais 10 points. Donc c'est cool. Ah mais j'ai pas pris ne serait-ce qu'un seul hit et demi quoi. J'ai pas croisé une seule personne. C'est fou là cette performance. Personne n'a jamais vu ça sur le jeu. Hein. Qui est-ce qu'on peut soutenir? Bah là il y a toujours Bichard, bien sûr. On voit toujours un peu les mêmes pseudos en fin de game. C'est plutôt logique. Oh dinguerie. Oh dommage. Kaylon qui est mort. La cam qui est pas. Je pense, bah, et pourquoi pas une deuxième game top 1 trivia là, ce serait stylé. Ce serait cool. Ouais, il a sauté dans l'eau, dinguerie. Oh, non, mais être dans une zone à côté de l'eau et tout, quelle angoisse. Non, c'est pas si mal, top 38 en vrai de vrai, c'est pas si dégueu. Hein. Pour dire que j'ai un game aléatoire, mais je suis mort de la zone quoi. Ça, c'est la honte, putain. Aïe aïe aïe, se faire tuer quand t'es dans l'eau c'est vraiment triste quoi. Tone qui... Oh il l'a tué anyway quoi. Wow. Kaorin qui fait 2 kills là, insane. Bien joué ça. Kaorin qui a volé les 2 kills MDR. Marianne, Trivia, Little Big Whale, elle a 3 pseudos mais effectivement pour Little Big Whale. Il y en a qui traînent déjà, Céleste, si jamais tu veux te chauffer. Ah ouais, de ouf. Ça va, c'est kiffant pour vous de voir les filles. C'est pas si con. Et vous savez quoi, je vais faire ça. Je vais traîner. Si vous voulez voir la pauvre Zerator, vous pouvez aller sur le live de Zerator directement. C'est vrai que moi, je vais fermer PUBG, étant donné que je suis décédée. Décédée. Oui, bien sûr, je vais rester jusqu'à dimanche, bien évidemment, pour faire la fête et rencontrer plein de gens. Regarde ta voisine, j'ai fait ça exactement, je l'ai vu en train de jouer à Céleste.